la première des règles de leçon de survie pour faire la différence de vos compétiteurs, de votre concurrence, avec vos collaborateurs, pour embaucher et inspirer de nouvelles personnes, pour rester un meilleur parent, pour devenir un meilleur conjoint pour l'autre, pour cesser de vous auto-saboter, etc., etc., etc. Numéro 1, la règle numéro 1, la numéro 1 des numéro 1, c'est apprenez quelque chose chaque jour. Nous sommes, je vous l'ai dit, quasiment tous les jours dans une nouvelle économie. Il y a beaucoup de gens qui disent « Oh, c'est une nouvelle économie, cette année... » Non, 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 ce n'est pas une nouvelle économie juste cette année. C'est chaque jour, c'est une nouvelle économie. Et si vous êtes dans le business, vous savez que j'ai raison. Tous les jours, ça se passe. Donc, vous devez prendre l'habitude de faire quoi ? D'apprendre et d'appliquer quelque chose de nouveau chaque jour. Voilà comment j'ai tendance à vous dire, ne vous inquiétez pas, je vais vous donner une méthode. Apprenez quelque chose qui vous fait plaisir. La méthode, c'est quoi? Vous pouvez écouter des audios, cette émission, c'est gratuit, mais vous allez vous nourrir le cerveau et apprendre plein de choses. Et surtout, ça va vous donner plein d'idées. Numéro 2, ça peut être des livres. Lisez, écoutez mes amis, lisez au moins... Quoi? Allez, minimum 10 minutes par jour. Si t'as pas 10 minutes, t'as pas de vie, honnêtement. Ne me dis pas que t'as pas 10 minutes. Non, mais parce que j'ai pas... Non. T'as juste un poil dans la main, c'est tout. Ou tu reconnais pas l'intérêt, ou t'as pas du tout envie de travailler. Oh non, mais moi je travaille suffisamment, je fais mes 35 heures. Ou mes 40 heures, c'est déjà énorme. Hein. Mes amis, apprenez tous les jours. Donc, faites en sorte, chaque jour, de vous rapprocher grâce à ces connaissances et à ces actions de votre projet. C'est ça que je veux pour vous. Vous comprenez? J'apprends quelque chose, je mets en pratique et je me rapproche de mon projet.